Salut la fratrie, 7ème vidéo sur notre DLC Blood and Vine. On se retrouve donc après l'attaque du château de Duntim et la révélation du commanditaire des meurtres. Il s'avère que la sœur d'Anna Henrietta, Sianna, se cachait derrière tout cela par pure vengeance envers les chevaliers qui lui ont fait du mal durant sa jeunesse. Detlaff ayant appris la vérité, souhaita à son tour régler ses comptes avec la princesse, mais la duchesse l'a fait enfermer dans une tour du château. Mécontent, le vampire supérieur passe à l'offensive et attaque le duché à l'aide d'une multitude de vampires inférieurs qui saccagent la ville. Gérald et Régis arrivent à se frayer un chemin afin de tenter de libérer Sianna tout en secourant Damien. Une fois arrivés à la tour, les deux amis se rendent vite compte que Sianna est en fait enfermée dans un sortilège ayant plongé dans un univers féerique et enfantin. Bon visionnage. Diantre, laissez-le sortir. Des voix. Il a bouloté mon pain d'épices. À mon tour de le bouloter. Ôte tes mains de là, petite. Tu ne voudrais pas me contrarier. Alors ouvre-le. Tiens, tiens, qui voilà? Un voyageur égaré? C'est plutôt dangereux par ici. Mais c'est qu'il est vieux, vieux et pâle. Ne t'en fais pas. Un peu de beurre, une pincée d'épices et tu feras un morceau de choix. Je t'aurai attrapé. Alors, une fois. Ah,
C'était quoi, ça? La méchante sorcière. Vous connaissez sûrement. Bien, où diable a-t-elle mis cette clé? Écoutez, je... Comment avez-vous trouvé une arme? C'est celle du prince charmant. Il n'en a plus besoin. Ah, voilà. Merci. Elle m'aurait cuit à point sans votre... Sienna, c'est bien toi? Ça fait longtemps, Jack. Tu viens jouer? Non, je veux juste tes haricots. Tu n'as rien à craindre. Rien à craindre? Vous n'êtes pas ici pour jouer? Que se passe-t-il? Jack me comprend à demi-mot. Il va s'empresser de me dire où sont les haricots, n'est-ce pas? Sienna, je... Désolée, mais... Je ne les ai pas. Oh, mon petit doigt me dit que tu mens. Peut-être préfères-tu jouer au jeu d'antan? Ce petit cochon est allé au marché, ce petit cochon à la maison est rentré, par exemple. C'est la vérité vraie, je le jure. Anne Arietta, elle a ordonné de tous les enterrer pour t'empêcher de partir. Où ça? Je l'ignore. Mais Joss, celui qui aime les loups, il doit savoir, lui. Toujours à fourrer son nez partout, celui-là. Il y a intérêt. Sans quoi je te retrouve et nous aurons notre petit tête-à-tête. Compris? Allez, du vent. Ah, bon. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens vous libérer. Trop aimable et parfaitement inutile. Je compte me libérer seule. Sans aucune garantie. Ce sera forcément plus facile avec mon aide. Le récent épisode le prouve sans équivoque. Mmh. J'aimerais quand même savoir ce qui vous motive. C'est Detlaf. Il essaie de forcer la main à Anna Henrietta pour qu'elle vous libère, en lâchant des monstres sur Beauclair. Du Detlaf tout craché, en effet. Je doute cependant que vous ayez fait tout ce chemin pour me tenir informé. Venez-en au fait, je vous prie. N'est-ce pas évident? Je propose un marché. Nous voulons tous deux vous sortir d'ici. Vous, pour retrouver votre liberté. Et moi, pour que vous rencontriez Detlaf et qu'il cesse de mettre la ville à feu et à sang. C'est à cause de vous que j'ai fini en prison. Et vous avez le culot de venir quérir mon aide? La vie est pleine de surprises, ma parole. Je devrais vous dire d'aller au diable, mais à vous entendre, la situation fait beaucoup de victimes collatérales. Ce n'était pas prévu. Detlaf était censé tuer ceux qui l'ont mérité. Point final. Fort bien, sorceleur. J'accepte. Scellons notre alliance d'une poignée de main. Dites-moi un peu plus. Oui, créé par Artorius Vigo. Avec Anna Henrietta, nous venions y rejouer des scènes de nos fables favorites. La sorcière n'avait pas l'air de jouer. Entropie magique. Sans entretien, le sort se désintègre peu à peu. Il retourne à l'état sauvage.
Votre sœur vous a choisi une prison dangereuse. C'est trompeur. Si je ne les provoque pas, les personnages de contes de fées ne m'attaquent pas. Mais vous, vous n'êtes pas d'ici. À ce propos, les chevaliers tués par... Je n'aime guère m'y replonger, mais... Quand père et mère m'ont banni, c'est à ces pro-chevaliers qu'ils ont ordonné de me conduire en limite du duché. Ils ont obéi sans un mot pour me défendre. Ils n'ont fait qu'obéir aux ordres. Crespi n'avait pas reçu l'ordre de me fouetter jusqu'à l'évanouissement suite à ma première tentative d'évasion. Et Dulac n'avait pas davantage reçu l'ordre de m'affamer et d'abuser de moi. J'ai appris à mes dépens que les chevaliers n'ont rien de chevaleresque en l'absence de témoins. Cela explique beaucoup de choses. Ça surprend, n'est-ce pas? Vous croyez tout savoir, sans qu'il soit besoin d'entendre ma version des faits. Vous n'êtes pas le premier. La malédiction du Soleil Noir, c'est bien la raison de votre exil? Les princesses mutantes, vous devez connaître. J'en ai même connu une, Renfri de Creden. Et? Était-elle vraiment monstrueuse? Pour ça, elle était cruelle, oui. Mais était-ce dû à la malédiction ou à ce qu'elle avait subi? Je n'ai toujours pas tranché. Vous l'avez tué, j'imagine. Je n'ai pas eu le choix. C'est ironique. Mère a dit la même chose en me jetant dehors. Et cette histoire de... Bien sûr. Seulement, il va falloir... Il existe deux façons de partir d'ici. Ma chère sœur en a bloqué une en m'y emprisonnant. L'autre est tout là-haut, dans les nuages. Cacher les haricots complique le problème, mais ne le rend pas insoluble. Je ne vous suis pas. Attendez la suite. Ce garçon, Jack. Jack fait pousser un haricot géant pour grimper jusqu'à un château perché dans les nuages. Nous ferons de même à condition de dénicher ces fiefés haricots. Ils sont trois. Un rouge, un bleu, un jaune. Un seul ne suffit pas. Et non. Tout doit se passer exactement comme dans le conte. Tout est clair? Trouvons Joss. Il pourra peut-être nous aiguiller. Je vous suis. Le plus souvent, Joss traîne dans la clairière située au pied du mont, à quelques distances d'ici, au-delà de la maison de la sorcière, sur la droite. Au fait, que se passe-t-il au juste en ville? Un vrai bain de sang, qui justifie qu'on se dépêche. Pas de panique. Le temps s'écoule différemment dans la fablosphère. Une semaine ici équivaut à quelques minutes dans le monde réel.
attention, évite. La fablosphère des intrus, comme vous. Oh, des licornes! Attrapons-les. Nous n'aurons plus à voyager à pied. La rose est pour moi. Ça me rappelle mon enfance. Et moi, quelque chose de totalement différent. Mais encore? C'est un secret. C'est bien, Ablette. C'est fini. Pas du tout. Il en vient d'autres. Encore un loup, derrière vous. Ne faites pas attention. Il ment tout le temps. Ah, le garçon qui crie au loup. Les mêmes. Écoute, petit morveux. Je ne sais rien. Rien du tout. Voilà qui promet. Admettons un instant que tu sais ce qui est devenu le Harry. Il est certain que personne ne l'a avalé. Bien sûr que non. Et qui pourrait être ce... Un humain! Le plus humainement humain de la contrée des mille fables. Au loup! Tout le monde! Fuyez! Je parie que tu ne sais pas ce qui est devenu le haricot bleu. Mais alors pas du tout. J'ai ouï dire qu'il était quelque part, totalement à découvert. Sans personne pour le garder. Personne. Entrez. Au secours! Au loup! Le haricot. Il est à un endroit très... Mais alors... Et qui l'a en sa possession? Un garçon de ferme, chauve, qui n'attend absolument pas après quelqu'un. Brave Jean! Répète ce mot encore une fois et je te débite en trop. Très bien. Allons. Prenez garde au loup!
Pas facile de lui tirer les vers du nez. Vraiment ? Il suffit de se rappeler qu'il ment tout le temps. Ou plutôt qu'il dit l'inverse de la vérité. Prochaine étape ? J'hésite. On devrait passer voir d'autres fables, les plus consistantes, j'entends, pour trouver un sens aux indices de Joss. Voyons, il y a le petit chaperon rouge, les cochons et les ours, cela viennent par trois. Boucle d'or, sans oublier réponse et la petite marchande de pierre à feu. Ah, entendu. Au travail alors. Cessez ce manège et... Bonjour, Gérald. Trois tabourets, trois lits, trois bols. Un trop grand, un trop petit, le troisième pile à la bonne taille. Des boucles blondes. Le reste du corps est trop mutilé pour tirer des conclusions. Elle a bien cherché ça. Jamais demandé. Alors, quoi ? Quatre animaux empilés. Comment s'appelle ce conte déjà ? Les musiciens de Blaviken. Vous avez-vous aussi un lien avec ça ? Oui, mais mon histoire est très différente. Oh, Gérald, Gérald. Et c'est moi qui suis cruel. Bonjour, on peut se... Chut ! Ma pauvre tête ! Parole de loup, c'est la dernière fois que je... Tiens, Sienna ! Toi, pas du tout, grand méchant loup. Même si, de toute évidence, tu... Oh,
Qui dois-je fréquenter, d'après toi, petite poussette? Nous pourrions trinquer un... Maintenant? Jamais de la vie. Tu sais ce qu'on dit. Il faut guérir le... C'est hors de question. Et puis, pourquoi boirais-tu? Aurais-tu quelque ennui à noyer? J'ai été déchu de mon titre et banni du duché. En fait, nous cherchons des haricots magiques. Une idée? On m'en avait confié un, mais... Où est-il? Parle! Chut! Pas si fort! Je peux parler beaucoup plus fort que ça, et user d'autres moyens de persuasion. Et revoilà les menaces. Du cyan a tout craché. Écoute, j'existe uniquement pour faire revivre un conte de fées. Quoi? Mille fois on m'a ouvert le ventre pour le remplir de cailloux et me jeter à la rivière. Quand tu as cessé de venir, j'ai décidé de me venger des méfaits de cette petite garce. Elle pourrit au fond du puits, en compagnie du chasseur. De ce fait, on ne peut pas jouer. Et je... Bien. Et maintenant? Aucun problème. On va jouer avec lui, ou plutôt se jouer de lui, à condition de récupérer le chaperon rouge. L'habit, pas le cadavre. Quel soulagement. Vous souhaitiez m'aider? C'est le moment. Très bien, je vais sauter dans le puits. Bonne chance. Bonne pioche? Oui, admirez un peu. Ça ne vous ira jamais. Donnez-le-moi. De quoi j'ai l'air? Pas mal. Très bien, même. Retournons voir le grand méchant loup. Laissez-moi deviner, vous incarnez la petite fille? Et vous, le chasseur? Encore vous? J'ai pourtant été clair. Je ne dirai rien tant que le petit chaperon rouge ne sera pas avec vous. Aucun problème. Sienna peut prendre sa place. Quoi? Très bien. Ce n'est pas comme si... Mère Grand,
Comme vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère Grand, comme vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'étreindre, mon enfant. Mère Grand, comme vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Ce qu'a dit Joss à propos du haricot rouge, qu'un humain l'avait et qu'il ne l'avait pas avalé. Il faut lui ouvrir la panse. Des bouchons, des fausses dents, un tire-bouchon. Ah, le voilà, le haricot rouge. Et voilà, un pas franchi vers... Je m'interroge. Êtes-vous terriblement indifférent ou est-ce à cause des mutations que vous avez perdu toute curiosité? Vous vous fichez réellement de ce qui s'est passé? De ce qui m'est arrivé après mon exil? Ma foi, puisque vous en parlez, j'ai hâte d'en savoir plus. Nous en étions au moment où vous quittiez le duché. En effet. La fine fleur de la chevalerie de Toussaint m'a conduite aux terres sauvages de Kebdou et m'y a laissée seule, sans le sou, vêtue d'une robe en dentelle déchirée, au premier frimas. Ils espéraient que je finisse dévorée ou morte de faim, ce qui aurait arrangé tout le monde. Hélas, comme toujours, j'ai déçu leurs attentes. Après une semaine aérée dans les bois, transie de froid, réduite à mâchonner des racines, j'ai fini par apercevoir une lueur entre les arbres. Un feu de camp. Des brigands. Barbus. Ivres. Maculés de sang. J'étais convaincue qu'ils allaient me violer, me tuer, ou les deux. Encore raté, j'imagine? J'ai appris à cette occasion qu'un voleur doublé d'un assassin peut valoir davantage qu'un proche chevalier. Ils m'ont recueilli. Nous sommes partis pour Nazaire. Et j'ai fait de mon mieux pour leur rendre l'appareil. Très vite, j'ai gagné mes galons. Jusqu'à prendre la tête de la bande. Vous avez dû en baver. Comme vous dites. Et pendant ce temps, ma sœur se baffrait et se faisait culbuter par tous les ménestrels de passage. Ce n'est pas elle qui vous a fait bannir. Je le sais très bien. Je lui en veux d'avoir oublié. De m'avoir oublié, moi. Bien. Assez discuté. Allons-y. Et un haricot de plus. Bien joué. Vous aimiez Anna Henrietta? Vous plaisantez? Je l'adorais. Ma chère petite sœur. Adorable. Si douce. Mais quand j'ai quitté le palais, elle n'a pas eu un regard par la croisée. Il est possible qu'on l'en ait empêché. Et comment se fait-il qu'elle ne m'ait pas amnistié sitôt couronnée?
Tiens, les maisons des trois petits cochons. Vous devez connaître l'histoire. Qui a peur du grand méchant loup? On dirait qu'il a déjà soufflé les maisons en paille et en bois. Il ne reste plus que celle en briques. Regardons à l'intérieur. Vous vous rappelez ce qu'a dit Joss? Un haricot est dehors, gardé par personne en triple. Oui, ça peut coller. Le grand méchant sorceleur a soufflé et voilà un haricot. Pas croyable. Quoi donc? Vous avez le sens de l'humour. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Ma foi, à votre arrivée, vous ne faisiez que bouder et grommeler sur un ton monocorde. Et voilà que vous plaisantez. Avec talent, en plus. Nous revoilà à bavarder alors qu'il y a tant à faire. Continuons à chercher. Alors, vous vous plaisez ici? Non. J'ai un problème avec la magie en général. Illusion, portail... Je n'ai aucune confiance là-dedans. Façon gentilhomme démodé, hein? J'aime assez. C'est ici qu'on attrapait sa natte autrefois, mais je ne la vois nulle part. On trouvera un autre moyen de grimper. C'est la tour de réponse? Tout juste. Encore plus haute que dans mon souvenir. Attendez, qu'a dit Joss à propos du troisième haricot déjà? Qu'il était en possession d'un garçon de ferme chauve, loin sous terre. Oui, tout concorde. Allons-y. Je pourrais grimper là. Et ensuite, sauter jusqu'ici. Si vous le dites, je préfère vous attendre en bas. L'escalade n'est pas mon fort.
Le corps du prince. Il s'est brisé le cou en tentant de libérer les Krauss. Le haricot jaune. J'aurais détesté grimper jusqu'ici pour rien. Et alors ? J'ai le haricot, mais en ce qui concerne réponse, elle en a eu assez d'attendre le prince charmant. Qui peut lui en vouloir ? Les hommes de nos jours. Des chiffres molles. D'où votre romance avec un vampire ? Detlaf était un outil. Rien de plus. Dommage qu'il n'en ait rien su. Je ne me fie à personne. La leçon à porter. À son tour d'apprendre. L'utiliser, c'était le plan depuis le début ? Non. D'emblée, j'étais surtout fascinée. C'était à Métina, il y a quelques années. J'allais écouler du butin auprès d'un receleur. J'étais en pleine négociation quand entre Detlaf. Il dit qu'il vient vendre un chandelier en argent qu'il tient dans un linge. Ça pique ma curiosité. Je le file en l'observant à distance. Mais il s'en rend vite compte. Oui, c'est facile avec des sens surhumains. Il s'engage dans une allée sombre. Je le suis. Là, il surgit de derrière une caisse en montrant l'écrou. Certainement pour m'effrayer. Mais il en est pour ses frais. Après tout, je suis un monstre aussi, non ? Qu'est-ce
Qu'est-il arrivé ensuite ? On a parlé, puis on s'est revus 2 ou 3 fois. Assez pour qu'il s'amourache. Au début, ça m'a plu. Seulement au début. Il n'aimait pas comme un homme, mais comme un animal. À la folie, viscéralement. Lui rendre l'appareil était difficile. Surtout pour quelqu'un d'aussi torturé que moi. Vous avez donc choisi de disparaître sans crier gare ? Oui. C'était la seule solution. Restons amis, ou je ne te mérite pas. Il n'aurait pas accepté ce genre de pirouette. Et puis, en revenant solder de vieux comptes, je me suis souvenue de lui, et j'ai vite conclu qu'il pouvait servir. Ça s'appelle jouer avec le feu. Tout juste. C'était me brûler ou consumer tous les autres. Pas de troisième voie. Je connais Detlaf. Alors cette rencontre va être différente. Toujours sans peur ? Je saurai me débrouiller. Ouais. Vous êtes sûr de ça ? À vos yeux de sorceleur, c'est un monstre. Je sais qui il est vraiment. Pas d'inquiétude. Continuons. Encore un petit effort et nous pourrons dire à... Il faut les planter sur le chemin, près de la tour de réponse, et attendre l'arrivée du géant. Regardez, l'empereur du Midgard est sorti exhiber ses nouveaux atouts. Amène-toi. Un contrat proposé par Unois. Tiens donc. Un cigarillo ? De quel con... Gamine, je vendais des pierres à feu. Comme personne n'achetait, je me suis diversifiée. Rien. Tout ce que nous voulons, c'est... Ma chérie, deux bouffées de ma marchandise et... Hé ! Où avez-vous trouvé ce ruban ? Il est à moi. Vraiment ? Et qu'est-ce qu'il faisait dans un fourré, alors ? Rendez son ruban à Sienna. Quelle importance il a pour vous ? Mon biquet, la seule chose gratuite ici, c'est la première dose. Pour que le client revienne acheter la suivante, naturellement. Même si je demande Jean... Mettez-y les formes et je pourrai le miser. Très bien. Ne vous faites pas trop d'illusions. Je...
Très bien. Très bien. Dites-moi. Quoi ? Ce que vous voulez en retour. Vous ne faites pas tout ça par bonté d'âme. Je ne veux rien en retour. Je... Merci. Ma nouvelle toilette ne se révèle qu'aux sages et aux instruits. Qu'est-ce que vous vous... Qu'avez-vous à... Ce que j'ai annoncé. Attention, vous avez écrasé la petite poussette, ma fable préférée. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'elle ne parle pas d'une princesse. Les histoires de princesses sont insupportables. Il y a eu bagarre. Des plumes d'oie. Elle a dû battre des ailes. Attention, des lutins. Des plumées. Là-bas, dans les arbres. Chambre de bifou. Alors, à la fois. Pourquoi la garder en cage? Rien ne vaut un œuf pendu en plein air. Où est la clé? Nous y voilà. Je l'ai. Tu as bien fait de placarder cet avis. Sans quoi, on ne t'aurait jamais...
Regardez, elle a pondu un œuf d'or. Si seulement mes employeurs étaient tous aussi généreux. Vous avez vraiment votre... Encore un petit effort et je suis libre. Le feu follet. Je crois qu'il veut nous montrer quelque chose. Attention, il ne faut pas lui faire confiance. Étrange, ce chevalier. Il ne ressemble pas à ceux des contes que je fais. Comment est-il arrivé ici ? Autrefois, Anarieta et moi en rencontrions parfois ici. Les chevaliers errants sont bien plus nombreux que les princesses dans le monde réel. Alors certains s'introduisaient dans la salle de jeu, puis dans cette contrée, en quête des demoiselles de leur compte. Tout ça pour finir déchiqueté par des lutins. Quelle délicieuse ironie. Thank you.
Attendez. Pourquoi ? La tige va surgir d'un coup, très brusquement. Méfiez-vous. Parfait. Jetez-les. Dernière ligne droite. Incroyable. On admirera la vue plus tard. D'abord, occupons-nous de... Lui. J'avais dit que cette contrée marchait sur la tête. Je ne m'attendais quand même pas à ça. Je ne peux m'empêcher de penser que vous aviez tout prémédité. Pourquoi aurais-je fait ça ? Pour vous débarrasser de votre garde, votre geôlier. La sortie n'est plus loin. Vous pensez sûrement ne plus avoir besoin de moi. Vous avez tort. Vous pouvez encore m'être très utile. Comment ça ? Comptez m'utiliser ? Comme Detlaf ? Non. J'ai besoin de vous pour une chose bien plus simple. Ne restez pas là à me fixer. J'ai besoin d'un homme, Geralt, et je n'ai pas peur de le dire. J'ignore ce qui m'attend là-dehors. Considérez quoi ? Thank you.
partir chacun de son côté, sans se dire au revoir. Vous vouliez me dire quelque chose ? Ah, je vois. Non, rien. Oh, aucune femme ne vous a jamais traité ainsi. Non, pas que je m'en souvienne. Dans ce cas, vous avez enfin ressenti ce que tant de femmes éprouvent parfois. J'espère que ce conte va bien finir. Pour moi, pour vous, pour tout le monde. Cela peut très bien dépendre de vous. Ce qui veut dire ? Rien d'autre que ce que je viens de dire. Pour l'instant. Venez, la sortie est par là.